Alors, bienvenue, messieurs, dames. 28e épisode des Bas ma famille. On est rendu à notre dernier endroit parce qu'on va manger. Alors, on s'est pris des burgers géants au boucan. Alors, je ne suis pas surpris qu'il y ait un petit peu de sauce barbecue à l'intérieur. Là. Donc, il est encore attaqué par une bête féroce à elle. Ouais. On s'est pris des petites salades à côté là, pour manger avec ça. On a pris ça take-out. Et puis, ben, on va aller manger ça de l'autre bord de la rue, comme des vrais bums, dans les petits parcs. C'est de l'autre bord. Là. On est rendu au boucan. On va tester le burger géant. Ils appellent ça le burger 5 napkins. Alors, j'imagine qu'il doit avoir de la sauce barbecue en quelque part. Ça arrive avec deux belles salades. Pour dessert, les brownies au bacon, ça sera, j'ai hâte de, vraiment hâte de voir ça. Et ben voilà. Ça. Check. En seconde, Laurent, on va filmer avant. Là. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. On dirait qu'ils sont faits avec des patates douces. Des burgers, c'est-tu. Ah, c'est peut-être des patates sucrées aussi. Mm. Ça a l'air bon. Ça a l'air comme ça. Ça a comme coulé un peu. Très bon. Ah, y'a la tranche, check la tranche de pico. Ah oui, dedans. On dirait une langue. Tabarnak. T'imagines la largeur, ta grosseur du pico, toi? Mm. Alors, les frites? Les frites sont bonnes, en fait. Bonnes, hein? Chicken burger, esti. Ah, oh, fuck, encore un autre là-dessus, esti. C'est le barbecue, mon gars, là. C'est du burger. Température parfaite. Vraiment, là? Pas le choix de l'écraser. Ouais, ça, à un moment donné, il faut que tu le que tu travailles un peu. Hey, mon truc express, tu sais. Attaquez, mon brave. Sacrement de burger. Ça, c'est le burger 5 napkins du boucan. Hein? Ah, ben ouais. Ouais, hein? Ça a cote, ça. Ouais. C'est rare, j'ai mangé un aussi bon que ça. Je m'excuse, les boys, ça. J'en ai mangé un, c'est. Check ça, là. Au Saint-Boc aussi, t'as pas pire. Ouais, mais. Non, il est plus fin, là. Une bouchée dedans, là. Ah, ouais, c'est gigantesque, là. Mm. Un ben avancé, toi aussi, là. Ouais, ouais. Moi, je n'utilise pas les mêmes affaires. Il n'y a pas rien qu'une, deux. Dernier check-up ici, j'ai pas été capable de résister de traiter la. Payer la traite aux boys. C'est un brownies au bacon que le boucan prépare pour leur déjeuner. Alors, moi, je vais en prendre une bouchée. Puis on va en manger un petit peu plus tard. Laurent va attendre. Garçon, je vais probablement prendre une bouchée parce qu'il est tenté encore de savoir ce que ça coûte, cette espèce d'affaire de fou-là. Qui nous vient directement de l'autre côté de la rue, effectivement, garçon. Les brownies, on va dire les brownies ouf, mais de toute façon, au bas de ma famille, on ne touche pas à la drogue ni à l'alcool. Non. On mange des brownies au bacon. Alors, première bouchée à ma vie. Attention, il va. J'ai peur. J'ai peur, j'ai la chienne. Ah ouais, ouais, ouais. Merci. Ça aurait juste comme une saveur fumée. Ah ouais? Un brownies est bon, Chris. Ah là, je goûte le bacon un peu plus. Ah ouais. Assez bon. Premier brownies au bacon à vie. Mmh. Es-tu bon, brownies? Ouais, ouais. Ça goûte pas tant le bacon que ça, hein? Non. Faut en manger plus, je pense, pour vraiment s'en rendre compte. Le brownies est puissant, là. Il est fort, il est écœurant bon. Il est bon, hein? Ouais. Alors, les boys? Ouais. Monsieur dame, c'est sûr que quand je dis monsieur dame, c'est pas pour les gens qui sont autour de nous. Parce que là, j'ai compris une chose. Oui. On va avoir beaucoup de misère à avoir des femmes bombes. Parce que les femmes qui mangent beaucoup, ça passe pour une grosse cochonne. Puis les femmes, ils aiment pas ça passer pour des grosses cochonnes. Alors, selon...
Oui, ils le sont, mais ils sont hypocrites. C'est juste, bon, c'est ça. Ils ont baisé comme des cochons. Non, manger comme des cochons, que je parle. Ouais. Sauf qu'ils veulent pas se faire filmer en train de manger comme des cochons. Ça, c'est ce que je pense que j'ai compris pourquoi qu'il n'y a aucune femme à date qui est venue au bas de ma famille. Ceci dit, bon, on ne veut pas dire qu'on est une gang de gays non plus, puis qu'on n'aime pas les femmes. On va sûrement en avoir éventuellement, mais c'est un petit clin d'œil à toutes les bonnes femmes qui regardent les bums, qui aimeraient ça venir, là, tu sais, puis que finalement, ils viennent pas, puis bon, c'est cela. Ah, voilà, monsieur, dame. On se retrouve au canal de la Chine. Tu peux le mettre en arrière de moi, c'est ça. C'est clair que je vais mettre ça en arrière de toi, mon beau garçon. Un beau brun comme ça, je vais mettre ça en arrière de toi. On va te cacher ça en arrière. Ça ne paraîtra pas. On ne touchera pas. Oui, voilà, monsieur, dame. Laure Morissette, Alex de Bellefeuille, Chef en d'Envoir. Trio d'enfer.